Je m'appelle Jeanne, j'ai 28 ans. Inspirée par la beauté du monde, la nature et l'humain, j'ai pris l'initiative de cultiver des plantes aromatiques et médicinales. Je vous propose aujourd'hui un petit voyage autour de mon projet. Ma passion est au-dessus des terres que je souhaite acheter grâce à votre aide. Il est important pour moi de prendre soin de la vie, de participer activement à la construction d'un monde bienveillant, dans lequel nos enfants trouveront une place. Un soir de mon enfance, malade, ma belle-mère me propose une palette d'huile essentielle. Je comprends que les plantes guérissent et me prends de passion pour ces demoiselles. J'admire leur beauté, m'émerveille devant elles. Elles nous permettent de nous nourrir, de nous chauffer, de construire nos maisons, d'écrire sur du papier, de fabriquer des instruments de musique. Elles produisent de l'oxygène et en plus, elles nous soignent. Je les cuisine, les cueille, les transforme, et cette passion grandissante ne cesse de croître. Cela devient une évidence. Je souhaite y consacrer ma vie et je travaille à la création d'un projet professionnel avec celle-ci. Pendant ma formation en maraîchage bio, je rencontre Joshua, qui accepte de me mettre à disposition un lopin de terre pour y faire mes expérimentations. Par la suite, je trouve une petite maisonnette à louer, à quelques mètres du jardin. Je rencontre Aline et Dominique, nos voisins, eux aussi passionnés par les plantes et porteurs de projets. Au printemps 2017, je décide de me lancer dans l'aventure de ma vie en créant mon entreprise, l'Instant Plante. Je construis mon séchoir, fabrique des tisanes et commence à les vendre. Je souhaite que ce terrain devienne un grand jardin, permettant de fabriquer une gamme évolutive faite de tisanes, d'épices, de liqueurs et de vins de plantes, de bouquets d'aromatiques, mais aussi d'autres petits trésors que vous découvrirez au fil des années. Je proposerai aussi des ateliers autour des plantes, de la santé et du bien-être. Je pourrai ainsi vous partager mes savoirs et savoir-faire. Aujourd'hui, Joshua a décidé de revendre une partie des terres, d'où l'émergence de notre projet de rachat collectif de celle-ci. Aline, Dominique, Joshua et moi partagerons ces 2 hectares. Ce bel étang, les arbres fruitiers qui s'y trouvent, ainsi que tout le matériel. L'abri, les serres, le tracteur, le système d'irrigation et sa pompe, les outils. Nous nous sommes engagés à concrétiser ce projet avant décembre. Ce lieu est idéal pour abriter mon projet. C'est une opportunité qui se présente et votre aide me sera précieuse pour la saisir. En effet, le délai pour réunir une telle somme est court. C'est pourquoi je vous sollicite. C'est avec une immense gratitude que je contemplerai germer, pousser, fleurir et fructifier les graines que vous aurez semées.